Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un joli petit top comme ça pour ma fille. Donc je vous explique. Au début de la vidéo, je vous fais voir que du jaune. Mais après, j'ai demandé à ma fille, est-ce que ça dit que je mets du jaune et du noir? Donc du coup, dans le pas à pas, je vous explique faire une chaînette de autant de mailles, de autant de centimètres. Après, j'ai fait un rang de bride, un rang de demi de mailles serrées, après un rang de demi bride. Donc où il y a le noir, j'ai fait des rangs de mailles serrées. Et après, j'ai fait des demi-brides avec le brin arrière. Ça fait en relief, du coup, comme ça. Comme ça, quand je dis, ça fait un peu comme... ça fait un beau toucher. Donc du coup, le haut, j'ai fait un rang de brides noires. Que voici, je vais le rapprocher pour que vous voyez un peu plus ce que ça donne le rendu. Donc voilà. Donc j'ai fait un rectangle. Derrière, j'ai accroché comme ça. J'ai fait des mailles serrées. Tandis que le dernier rang, j'ai fait des brides. Ben après, j'ai fait tac, 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 des mailles serrées. Donc, chaque maille. Bon, derrière, c'est le dos, donc c'est pas trop grave, ça se voit pas trop. Donc, voilà. Et j'ai fait deux petites bretelles, une noire et une jaune. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à commenter, à partager. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Pour ce petit top pour que j'ai réalisé pour ma fille, moi j'ai pris une pelote jaune et noire. Après, vous pouvez faire que de la même couleur unie. C'est du coton. C'est les pelotes que je vous ai dit que j'avais une fois par une dame qui m'a donné. Parce que son mari travaillait à DMC avant, donc du coup elle m'a donné, j'ai du jaune, du noir, j'ai un peu plusieurs couleurs. Donc du coup peut-être bientôt je ferai un autre projet aussi avec, sûrement de retour avec le vert. Donc je verrai, je vous dirai quoi. Donc après j'ai, il faut une paire de ciseaux, pardon, il faut un crochet 3 et demi pour tout le petit top, un mètre, un des marqueurs, ce sera pour accrocher, par exemple quand vous allez faire les bretelles. Donc du coup, voilà, et une aiguille pour rentrer les fils. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. Pour le top pour l'été, pour ma fille qui a 8 ans. Donc moi, j'ai pris le tour de poitrine de le tour de poitrine de du tour de ma fille. Pardon. Donc ma fille, le tour de poitrine plus le dos, elle fait 60 cm. Donc du coup, j'ai pris un mètre et j'ai fait tout le tour. Et j'ai fait une chaînette sur 60 cm. Donc du coup, j'ai fait une chaînette que voici. Exactement, je ne sais pas combien ça fait de mailles. Donc vous prenez un mètre, vous prenez le tour de poitrine de votre enfant. Et j'ai crocheté, je vais crocheter tout ça avec un crochet 3,5. Donc du coup, vous faites, pardon, ça bouge un peu, voilà. Vous faites la chaînette. Voilà. Donc après, vous faites, je vais faire des demi-brides. Je vais faire sur à peu près deux. En dessous de son ventre, vous voyez, le ventre, il est là à peu près. Donc, en dessous de sa poitrine, jusqu'à là, à peu près. Et après, on va faire des... pour accrocher le pull. Donc, voilà. Donc, du coup, des bretelles. Voilà, cherchez le mot, pardon. Donc, on va commencer à faire une chaînette de... J'ai fait une chaînette sur 60 cm. Donc, vous faites deux mailles en l'air. Qui équivaut... Donc, là, on met son doigt, juste là, pour tenir bien la maille qu'il y a. Et on fait une et deux. Et on va faire que des demi-brides. Sur, donc, une... Une et deux. Et dans la troisième, on fait demi-bride.
Et on passe le tout. Vous voyez, les demi-brides, c'est comme ça, c'est très simple à faire. Donc voilà, vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Donc du coup, je finis tout le rang. Je vous fais voir la fin du rang et le début du rang, comment on fait. Je vous dis à tout de Voilà. suite. J'ai fait ma chaînette de demi-bride. J'arrive à la dernière maille, on va faire une demi-bride. Comme ceci, on va tourner notre travail et on va faire une maille en l'air. Et on va faire que des mailles serrées dans chaque espace. Comme ceci. Donc ça, vous voyez, c'est pas compliqué. Vous allez dans les mailles qui est juste là et vous faites des mailles serrées. Donc ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le long. De toute façon, c'est pas compliqué de faire des mailles serrées. Et après, on fera le rang d'après. Je pense qu'on fera, on va finir. Sur le rang d'après, on va faire des demi-brides, mais on va prendre le brin arrière de la maille serrée. Donc là, vous voyez, je vais finir de faire mon rang de mailles serrées. Et on se retrouve pour faire le rang d'après, pour que je vous fais voir le début du rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Du coup, voilà, j'ai pratiquement fini mon rang. Il me reste à faire deux mailles serrées. Donc, je l'ai fait avec vous, comme ça, je vous fais voir la fin. Vous voyez, là, il reste une maille, on pique dans la maille, on fait une maille serrée. Donc là, on va retourner notre travail. Vous allez faire deux mailles en l'air qui équivaut à une bride. Je prends mon fil, je fais deux mailles en l'air. Là, vous allez faire un jeté sur votre crochet et vous allez prendre votre travail comme ceci. Donc dans la première, on n'y va pas, on va aller dans la deuxième, juste là, et on va faire une demi-bride sur le brin arrière, comme ceci, dans toutes les mailles. On fait que des demi-brides sur le brin arrière de chaque maille. Vous voyez, je prends le brin arrière, comme ceci. Donc ça, vous voyez, c'est, prenez votre travail, vous mettez bien en face de vous pour que vous voyez et vous faites des demi-brides. Donc ça, vous voyez, c'est ce qu'il faut faire sur tout le long du rang. Après que vous arrivez là, aux dernières, là, bah, vous faites votre demi-bride sur le brin arrière qui est juste là. Après le rang d'après, vous faites un rang de mailles serrées. Après que vous avez fait un rang de mailles serrées, le rang d'après, vous refaites des demi-brides avec le brin arrière comme là, comme je vous ai fait voir. Donc ça, c'est pas compliqué. Donc du coup, je vais m'avancer sur mon travail. Je vous dirai sur combien de centimètres. Faudra pas que j'oublie. Attendez, je note parce que des moments, je dis des choses et j'oublie de vous dire. Sur combien de centimètres j'ai fait le petit top pour ma fille? Donc du coup, là, vous faites des demi-brides avec le brin arrière de maille serrée du rang d'avant. Après, le rang d'après, que des mailles serrées simples. Vous voyez, vous prenez votre brin comme je vous ai fait voir là, tout simplement. Et le rang d'après, bah, vous faites sur les mailles serrées, vous prenez le brin arrière comme là.
et vous faites vos demi-brides sur le brin arrière de chaque maille. Donc ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le long. Donc moi, je vais m'avancer et comme je vous ai dit, je verrai sur combien de centimètres j'aurai fait le petit top pour ma fille. Donc je m'avance et on se retrouve à ce moment là qu'on aura fini nos petits rangs. Je vous dis à tout de suite. Donc, du coup, entre-temps, j'ai changé et j'ai mis du noir. Parce qu'au début, quand je vous ai fait voir, j'ai dit, on a fait un rang de bride, un rang de maille serrée, un rang de demi-bride. Et les rangs où j'ai mis le noir, c'est que des rangs de maille serrée. Et j'ai toujours pris le brin arrière quand j'ai fait le jaune. J'ai toujours pris le brin arrière et j'ai fait que des demi-brides. Donc, entre-temps, j'ai changé les couleurs. Donc là, j'ai fait la hauteur que je voulais à peu près. On va faire qu'un dernier rang de demi-brides. De brides, pardon. Donc du coup, hop, on fait 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Une, deux, trois. Et vous faites des brides dans chaque maille. On enlève, on va resserrer. Donc du coup, voilà. Hop. Et hop. Là, c'est ce que vous devez faire. Que des brides. Sur le dernier rang. Voilà, donc là, voyez, je vais faire que des brides. Donc après que j'ai fini mon rang avec mes brides, je vais rejoindre. Donc ça, c'est vers la... ça, c'est l'intérieur. Je vais rejoindre les deux morceaux comme ceci et je vais les coudre. Après, je vais le passer sur ma fille pour faire les bretelles. Voyez, donc du coup, je vais faire une chaînette. De toute façon, je vous dirai, je ferai une chaînette de chaque côté de combien de mailles j'ai fait. Mais il faut que je le mette sur elle pour voir à peu près combien je dois faire une chaînette pour que ça soit bien sur les épaules. Donc du coup, je vais m'avancer, je vais faire mes brides, faire mes coutures, comme ça sera derrière, et faire, je pense qu'on fera sûrement, je vais faire sûrement une bretelle noire et une bretelle jaune. Comme ça va faire un mix, ça fera beau. Donc du coup, on se retrouve quand on fera les bretelles. J'en fais une et on fera la deuxième ensemble. Donc voilà, je vous dis à tout de J'ai suite. déjà fait une bretelle. J'ai fait la noire parce que pour faire voir à la caméra, c'est un peu plus compliqué du noir. Donc du coup, j'ai fait une chaînette de 60 mailles. J'ai oublié de vous dire, parce que dans les vidéos d'avant, je me suis dit, j'allais vous dire combien de hauteur j'ai fait. Donc du coup, j'ai fait sur, ça fait de là à là, ça fait à peu près 12 et demi. Donc du coup, pour vraiment que ça soit égal, j'ai mesuré, ça fait à peu près 31 cm. Donc après, j'ai dû diviser. Donc après là, donc ça fait 8. Donc du coin là à là, ça fait sur, faut le mettre sur 8 et demi. Et de l'autre côté, j'ai mesuré et j'ai fait sur 8,5. Donc c'est pour ça que j'ai mis deux marqueurs parce qu'on va faire couleur jaune. Comme ça va faire un noir et un jaune. Ça va faire un peu plus. Ça va faire un peu. Comment dire ça? Va faire deux couleurs différentes. Voilà. Donc du coup, j'ai fait ma chaînette de 60 mailles en l'air. Du coup. La première maille, hop, je zoome. Vous faites une maille en l'air en plus. Et là, vous faites que des mailles serrées. Vous sautez la première, vous allez dans celle d'après et vous faites comme ceci.
Vous faites des mailles serrées. Tout simplement. Et sur le noir, j'ai fait trois rangs. Que de mailles serrées. Comme ceci. Donc du coup, je vais faire mes 60 mailles serrées. Pour le rang d'après, vous faites une maille en l'air et vous faites encore un rang de mailles serrées. Après, vous faites un troisième rang, donc vous faites une maille en l'air et vous faites un troisième rang de mailles serrées. Et après, vous faites, comme je vous ai expliqué là, j'ai divisé, comme je vous ai dit, et j'ai fait les coutures. Moi, j'ai fait des mailles serrées. Donc du coup, voilà. Donc après, je vous ferai voir comment il est à la fin. Je vous dis à tout de suite. Voilà le petit top fini. C'est pour ma fille pour 8 ans. Donc voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait une bretelle jaune et une bretelle noire. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour suivre mes autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous! Ooh, baby.